père qui accompagne moi dans la richesse que nous avons fait avec nous. Nous saluons toute délégation de Césio qui est là. Et maintenant, alors si nous avons bien au calme, c'est que c'est une possibilité pour deux catéchèses. Le premier, c'est sur Marie, mère de miséricorde et d'espérance de la jeunesse. Le deuxième catéchèse, c'est humilité et disponibilité de Marie, un modèle pour la jeunesse de ce temps. Alors, c'est deuxièmement que maintenant, avec nous, m'a fait de façon très succincte, parce que peut-être que midi moins tard, et après, nous avons fait des échanges, des questions. Oui, alors, il l'avait fait quatre gestes. Il y a possibilité pour nous d'avoir fait échange et de faire tout capable de répondre. Alors, bien content avec nous, et depuis jeudi soir, on a fait une présentation, même si il y avait de fortes libertés, et en même temps président de la commission épiscopale jeune. Si on casse les sorties des points, puisque lundi dernier, on est sorti à Rome, depuis le 3 octobre, on était à Rome, dans six notes évêquiaux sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et immédiatement que vous entrez, c'est passé dans ce 16 points une journée, et puis vous levez, vous mettez à boire. Pour que nous soyons capables de garder et comprendre bien comment Marie, humilité et disponibilité est capable de servir nous. Moi, je suis sur un texte classique pour expliquer l'humilité et la disponibilité de Marie. Le texte, c'est Luc, chapitre 1, verset 26. À 38. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Qui sait que le texte a gagné de particulier? C'est l'annonciation. Et qui est-ce qui écrit le texte ça? Qui est-ce qui réussit ça? C'est simple. Il est très important, même chez nous, le bon passage de la Bible. Il y a trois bagailles pour te répondre. Et c'est là que Dieu fait différence avec les protestants. Chaque fois que nous devons, et on est ici, trois bagailles pour nous gagner. Un, le texte. Deux, le contexte. Trois, le prétexte. Est-ce que non? Trois éléments. Ça veut dire Luc chapitre 1, verset 26 à 38, le texte. Le texte est écrit par Saint Luc. Luc, c'est l'un des quatre évangélistes. Pour Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et une caractéristique de Saint-Luc, c'est que Luc est médecin et historien. Tout ça va jouer. Parce que l'homme a le contexte, personnalité, passé dans le texte. Ça va vivre passé dans le texte. Et c'est ça que l'homme l'évangile de Saint-Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Et qui ça va montrer non? C'est maintenant le temps du salut.
C'est aujourd'hui que le salut est arrivé parmi nous. Le texte. Et qui le premier verset, verset 26, non, qui crée dans ce mois qui s'adresse. Le sixième mois survient chaque parole. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Et le verset 27 ajouté, à une jeune fille apportée en mariage à un homme nommé Joseph de la maison de David, et cette jeune fille s'appelait Marie. Le sixième mois, le chiffre 6. Le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'humanité. Suivez bien. Sixième jour. Texte dit dans Genèse. Et le sixième jour, Dieu créa l'homme et la femme. J'ai dit bien. Six, c'est le chiffre de l'humanité. C'est le chiffre de l'homme. Et dès qu'on dit humanité, nous n'avons pas parlé. Non, humanité, c'est le mot humus. H-U-M-U-S. Qui ça veut dire pour ça? Humus. Ça veut dire la paix, l'aise, fragilité. Donc, par conséquent, si on veut se comprendre l'humilité, il faut aller dans l'humanité. Nous sommes nés de l'humilité. Et ça veut dire que nous avons un texte de création maintenant, et il est dit Adam. Adam. Dans l'homme hébreu, Adam, les Adama, les bêtises, tirés de la terre. De ça, on dit là exactement, c'est que l'humilité fait partie de notre humanité. Donc, mes amis, l'humilité fait partie de l'humanité. Ça nous voyait, ça nous comprenait, c'est notre faiblesse. Parce que nous tous, c'est ce qu'on dit, nous sommes fils d'Adam. Et en tant que fils d'Adam, nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes tirés de la terre. Pas de personne qui devrait être baptisé. Pas de personne qui devrait comprendre les plus passés en l'homme. Pour qui ça? Et bien, c'est que nous sommes fils d'Adam. Et qui ça, Adam l'a dit? Adam l'a dit? Très bien. Adam, Adama, et petit tiré de la terre. Nous sommes des êtres fragiles. Ils ont une question. L'air est à faire funérailles. C'est pas Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre. Et que le président Clinton était là. Le président George Bush était là. Donc, une grande dignitaire. Et ça t'est frappé. C'est l'intérêt que j'étais cercueil par Jean-Paul II à tête, la piété, parce qu'on a ta femme, la piété, qui dit même quel que soit le niveau que le terrifiant, c'est un homme tiré de la terre. C'est le contexte là, nous avons l'humilité de Marie. Et texte dit non,
au sixième mois, l'ange Gabriel, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, et comme Saint-Luc, c'est historien que l'ayé, et identifié dans l'archange et Gabriel, et Michel, et Raphaël. De chaque lignée, nous avons une signification. Michel, qui est comme un Dieu? Raphaël, Dieu guéri, et Gabriel, force de Dieu. Et Gabriel, et Gabriel, force de Dieu. De nouveau, ne prends pas Dieu, tout a un sens. Pas bien, c'est bon. Dans les mêmes mots, il y a des salles. Dans le plan de Dieu, tout a un sens. Rien n'est pris au hasard. Même si parole, ça fait chemin dans la vie. Dans le plan de Dieu, tout a un sens. Rien n'est pris au hasard. De loin de trois arcanges, il y a Michel, il y a Raphaël, il y a Gabriel. Et pour Dieu choisi Gabriel. Et Gabriel, c'est quoi? C'est la force de Dieu. Pour qui ça? Donc, qu'est-ce qu'il fallait de nous comprendre? Si nous prenons Jean chapitre 1er, verset 14. En Jean chapitre 1er, verset 14, son texte pour comprendre l'humilité de Marie, qui dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. On répète, Jean 1, 14, qui ça dit? Le Verbe s'est fait chair et il a habité. Parmi le Nouveau Testament écrit en grec. Là, dit le Verbe, vos grecs, c'est logos. L-O-G-O-S. Logos. Le Verbe, la parole. C'était ce qui était déjà là de toute éternité. Est devenu chair. Que des mots grecs, logos, saxon. Saxon écrit S-A-R-X. Et le logos, le Verbe, c'est ce qui est là de toute éternité. C'est le logos, sax, c'est l'espoir. Ce qui était là, de toute éternité est entré dans le temps, est entré dans les limites du temps. Donc, voyez, le logos, on peut dire c'est la force, et le sens, c'est la faiblesse. La force de Dieu est entrée dans notre faiblesse. Est-ce que nous avons dit qu'on y a plus bien, qui est assez Gabriel, qui a côté Marie. La force de Dieu est entrée dans notre faiblesse. Et le Verbe, que c'est votre ami, article. Et le Verbe. Parce que papier article, c'est logos, ce qui n'est pas qu'à définir. De ce qui était vraiment indéfinissable, maintenant c'est défini. Ce qui était hors du temps, ce qui n'était pas sur notre contrôle, est maintenant à notre portée. Et le Verbe s'est fait chair.
Et c'est dans ce sens-là, comment les sages-géants entrent la caille-mère. Et dans le même sixième mois, dans le chiffre 6, qu'on a un événement important. Quel événement important? C'est plus tard, on va le comprendre en dedans le texte. C'est là que messager a dit la Vierge Marie, et voilà, Élisabeth, ça fait depuis 6 mois qu'elle porte un enfant. On cherche le texte. Donc c'est Luc qui est dans Saint Jean, excusez, dans Luc chapitre 26. Le texte en dit, le verset 36, dans notre témoin, verset de la Bible, Luc chapitre 1, verset 36. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi enceinte d'un fils dans la vieillesse, et elle en est à son sixième mois. Elle qu'on appelait la stérile. Le chiffre 6. Voilà Élisabeth qui âgée, stérile, et voilà depuis 6 mois, elle porte un enfant. Ça, ça veut dire. Quand Dieu entre dans une vie, tout devient possible. Notez pour moi. Quand Dieu entre dans une vie, tout devient possible. Et ça qui fait Noël, comment la Vierge Marie va accueillir la grâce. La Vierge Marie va accueillir faveur de Dieu. Nous ça c'est un premier remarque. Le deuxième remarque important, c'est que messager et sa vieille Marie, en l'invitant à la grâce, c'est bon bonjour. Messager Gabriel, malgré les versions créoles qui dit bonjour Marie, non, il n'est pas dit bonjour. Expression cléant, c'est réjouis-toi. Entrer dans la joie parce que la grâce est là. Entrer dans la joie. Mais l'invitation que Dieu a fait, malgré les épreuves du moment, malgré les difficultés du moment, il y a pour chacun, chacune de nous, une invitation à la joie. Est-ce que vous connaissez? Invitation à la joie. Ça, c'est Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens pour répéter plusieurs fois. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas un simple bonjour, mais c'est une invitation à la joie. Et invitation, ça, vous savez que les rappels des textes, Marie va doubler. Parce que l'être des textes, et comme Marie était familière de la parole de Dieu, et bien, ces textes sophoniques, chapitre 3, qui va venir dans l'esprit. Dans notre télé, sophonie, chapitre 3. Sophonie, c'est l'un des derniers prophètes. L'un des derniers prophètes. Puisque par des symphonies, par des Zacharie, et puis après c'est le grand silence. Et les mains entendaient, messager Gabriel dit, réjouis-toi. Et c'est cette symphonie hein, qui fait écho dans la vie, c'est ça qui fait troubler. Troubler, pas dans le sens de la peur. Troubler, de la grandeur de la mission. Pas bien. Troublé, la Vierge Marie est troublée, non pas habitée par la peur, mais à cause
de la grandeur de la mission qui s'est extendue à l'ensemble avec l'Ancien Testament, Sophonie qui s'est dit, réjouis-toi, fille de Sion, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dans tout notre point, c'est Sophonie chapitre 3, verset 14, et puis Zacharie chapitre 9, verset 9. Sophonie chapitre 3, verset 14, et Zacharie chapitre 9, verset 9. Donc c'est paroles ça qui fait écho dans le cœur de la Vierge. Alors je vous en parle même si ça m'a même souligné. C'est que faut nous gagner nos paroles de Dieu que nous ne connaissons pas peur. Faut que nous contestions la vie de telles circonstances, de tels événements. C'est parole ça qui veut faire écho dans la vie. Ça veut dire invitation à faire mémoire. Vous avez bien? Invitation à faire mémoire. Toujours qu'il y a une parole de Dieu dans la vie. Toujours qu'il y a une parole et bien souvent, dans une situation difficile, qu'on a rencontré comme jeune. Nos épreuves de la vie, et ces paroles-là, qui va retourner, qui va aider à faire choix pour faire. C'est vrai que les messages ont dit, vous pouvez penser, que carrière tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est-à-dire que, sans que Dieu parle en donnant, l'idée est déjà là. Moi, j'ai un petit phrase encore qui est très intéressant. Et phrase ça, c'est toujours interpellez-moi. Interpellez-moi dans le sens que il y a des moments, même moi là, comme évêque, qu'on hésite pour m'avancer dans une décision ou un enjeu. Tenez bien, jeune. Tenez bien. Ce que Dieu ordonne, il le donne. D'accord? Ce que Dieu ordonne, il le donne. Dans notre contexte, Luc chapitre 1er, verset 26 à 38, non? Ça, mon Dieu, qui a demandé la Vierge Marie, hein? exigence que mon Dieu qui a fait la Vierge Marie, hein? L'idée est déjà là. C'est dans sa salutation que Kali domine. C'est mon prénom. Que Kali domine. Que Kali domine. Elle dit que bon Dieu lui-même. Bon Dieu lui-même lui prépare les terres. Donc, vous venez bien parmi eux. Et les exigences que mon Dieu lui-même est capable de faire. Et les bagages difficiles que les capables de demander de parmi eux. Parmi eux, mon Dieu lui-même l'a préparé. En ce qui est important, c'est que Marie, mais c'est ça qui est important, c'est que mon Dieu a changé le nom Marie en qui ça, en grâce, pleine de grâce. Réjouis-toi, même si tu es senti, réjouis-toi Marie, mais c'est pas seul, c'est pas nom Marie. C'est le nom de grâce. Réjouis-toi, pleine de grâce. Réjouis-toi, pleine de grâce. Donc, bon Dieu, tout est à l'air en citant
ce que Dieu ordonne, il le donne, les ranger derrière, les préparer derrière, et dialogue là qu'elle va faire. Et laisse un message à petit Marie, qui j'en ai pas enfanté, sauveur. Famille, même là que nous habitons par la grâce, même là la grâce de mon Dieu envahit tout nous-mêmes, cela n'empêche pas de poser des questions à Dieu. Je ne veux pas dire ça. Il faut apprendre à poser des questions à Dieu. Et si ça m'arrive à mon bonheur, comment cela va-t-il se faire? Qui qu'aimait deux expressions. Vivre avec. Pas bien ça. Une situation qui vient dans la vie. Il y a une épreuve qui vient dans la vie. Il y a une épreuve qui vient dans la vie. La première question est comment vivre avec. T'as bien, non? Comment vivre avec. Et bien, c'est ça que la Vierge Marie fait dans le dialogue avec le messager. C'est lui qui avait le 1er verset 34. Notez pour moi le dialogue de Marie avec l'ange, Luc chapitre 1er, verset 34. Dieu aime le dialogue. Bon Dieu aime parler. Et puis belle parole pour les bails, c'est petit de Jésus. Le verbe de sa parole, l'amour, logos, devient chair, humanité, homme. Lui, j'avais le premier verset 34, le dialogue de Marie avec l'ange. Ce dialogue doit inspirer tous nos dialogues. Notez pour moi, le dialogue de Marie avec l'ange doit inspirer tous nos dialogues. Son modèle. Luc 1.34, au modèle de respect, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? C'est vraiment un super dialogue. Qui ça vient à travers ça? C'est l'acceptation de la réalité. Vous avez bien? Vive avec. Deux, l'acceptation de la réalité. Et puis c'est troisièmement, entrer dans le projet de Dieu. Voyez, pour le chemin de l'humilité et de la disponibilité d'abord, vivre avec l'acceptation de la réalité, de ces éléments, et puis entrer dans le projet de Dieu. Et c'est là maintenant que vient le verset 35. C'est verset clé, expérience, annonciation. Papi. Et c'est dans le monde qui a des difficultés, même frère protestant. Et c'est la clé, texte. Luc chapitre 1er, verset 36. Si nous le comprenons, l'humilité de Marie, la disponibilité de Marie, il faut partir de ce verset 35. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint. Il s'appelle sacré à réaliser, hein? C'est l'Esprit Saint qui va le faire. Et l'Esprit Saint agit là où c'est impossible. Pas bien ça. Moi, je ne crois pas ça.
L'Esprit Saint agit là où c'est impossible. Parce que l'acte de l'Esprit Saint, c'est la création. L'acte de l'Esprit Saint, c'est faire du neuf. Et dans l'histoire de la Bible, il y a trois moments que l'Esprit Saint agit pour faire du neuf dans nos vies. Premier moment, c'est dans Genèse chapitre 1er, la création. Deuxième moment, c'est dans Luc chapitre 1er, l'Annonciation. Troisième moment, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Pentecôte. Trois moments. L'Esprit Saint agit en force. Création, incarnation, Pentecôte. Création, Genèse, chapitre 1er, les dix. L'Esprit planait sur les eaux et donnait forme la création. Deuxième, l'Annonciation, c'est verset 31, verset 35. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son nom. Le troisième, Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Esprit descendit sur les apôtres en ordre de feu. Donc, trois moments, création, incarnation, Pentecôte, qui est la naissance de l'Église. Donc, verset 35, c'est verset clé pour comprendre comment mon Dieu lui-même agit. L'Esprit Saint te couvrira de son nom. Et ça veut dire que le peuple dit dans le chantier, ô l'Esprit Saint, descend sur nous. Jeune homme, quand le Seigneur t'a couvri dans la difficulté, quand tu passes à la Bible, que tu as joué, mais quand seul le Seigneur t'a gardé qui peut, qui s'appelle, c'est la dévotion à l'Esprit Saint. Dans les moments difficiles de votre vie, dans les moments d'épreuve de votre vie, dites seulement une parole. Qui parle? Pour l'Esprit Saint, descend sur vous. Venez, venez l'Esprit Saint. Pas bien, lorsqu'on se trouve, l'homme est là, il va passer, il n'y a pas qu'à marcher. Il y a des grosses difficultés dans la vie. Comme je me pose un paquet de questions sur l'avenir, sur ce que je vais réaliser, sur l'épreuve qu'on doit rencontrer. Parce que déjà, il y a 116 ans, 20 ans. Si on entend que raconter la vie, on va étonner. On dit 70 ans que rien. Tellement confronté à des épreuves. Et c'est ça, des fois, ça peut vous lancer dans la lassitude, dans la compromission, dans la corruption. Et c'est là, c'est où il faut se ressaisir et dire tout simplement, ô l'Esprit Saint, descend sur nous. Vini, vini, l'Esprit Saint. Et c'est ça, le texte, c'est à partir de là. Luc chapitre 1, verset 35, Marie finalement va se soumettre à la volonté de Dieu. Mais malgré tout, il va prendre des signes et le messager va lire un signe, l'être Élisabeth va le dire 6 mois. Et rien n'est impossible à Dieu. Et à partir de là, le texte dit, le verset 38, voilà la disponibilité, nous et l'humilité, quand Marie fait espace dans les mêmes pour accueillir parole, bon Dieu, et puis, quotidien, Marie lui-même, il y a
participation. Le chapitre 1er, verset 38. Il y a deux parties. Attendez bien, je vais. Le chapitre 1er, verset 38, il y a deux parties. Première partie, c'est la disponibilité de Marie. La disponibilité de Marie. Et puis, deuxième partie, qui est très importante, c'est, en ce moment, c'est la solitude. La solitude. Disponibilité, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit, voici la servante. Mais d'après spécialisation, voici un, plus important que je suis un. Parce que voici un, il ne peut pas dire, engagez mon ordre d'aller et faites que l'entrée dans des solutions. Parce que nous a dit, je suis et parlez. Est-ce que tu en as? Mais en disant, voici, il est engagé, je suis un, donc je suis là, mais je suis prêt. Ils savaient que la meilleure traduction, ce n'est pas je suis la servante du Seigneur, mais c'est voici la servante du Seigneur. C'est-à-dire que c'est tout lui-même, c'est tout sa vie, c'est toute expérience que vous avez fait, c'est toute histoire qui va entrer en dedans des messages. Voici. Là, c'est bon du Seigneur. Et à partir du moment que Marie prend l'engagement ça, nous venons deuxième partie, verset 38, non, et dit, et l'ange la quitta. Il y a un moment dans la vie, dans quoi besoin pour être capable seul. Donc, décision que nous avons, malgré tout conseil que le monde est capable de nous, mais c'est au même seul qui va protéger Chaïa. Et l'ange l'a quitté. Ça veut dire exactement. En Genèse, chapitre 22, mon autre texte que tu as aimé, que nous lisons en parallèle avec l'Annonciation. Genèse chapitre 22, qui est le sacrifice d'Isaac. À un moment donné de notre vie, le Seigneur aura à nous demander un sacrifice. Le Seigneur aura à nous demander un choix. Et là, on sera tout seul. C'est ça qu'Abraham a bien fait. Le bon Dieu dit sacrifier petit qui est en mille ans. Il arrive dans le pied maintenant. Et il dit toutes ses vitesses, campez loin. Et il prend Isaac seulement. Il prend Isaac seulement. Et il m'a dit, sous tête bonne, Moria. Pour être fait, sacrifice. Il est seul. Mais c'est ça que nous avons besoin. Et c'est un événement. Chers jeunes, il faut s'entraîner à la solitude. Pas besoin. S'entraîner à la solitude. Parce que vous ne pouvez pas vous demander. Vous ne pouvez pas vous demander. Vous ne pouvez pas vous demander. C'est vous-même seul qui va répondre à la question. C'est vrai. C'est vrai. Quand il y a des événements qui peuvent venir, c'est vrai, quand il y a des gens qui peuvent venir, mais la décision se fera toujours dans la solitude. Il semble rien même pour nous. Donc, les manquettes, donc, la pétanque, on n'a pas fait échange pour rien. Donc, comment voilà, l'humilité de la vie. Et ouvrir l'espace-là, mon Dieu de la Haïmane. Et il est disponible pour aller
et réponsement de ces esclaves. L'engagement de Marie va la conduire jusqu'à la croix. Oui, que dit-il là, elle ne pourra tomber dans pied de la croix pour continuer de vivre. Donc, chers jeunes, rappelez-vous ceci. Il n'y a pas de vie sans foi. Et dans mon garanti, il y a encore qui toujours frappe moi, que vous répétez plusieurs fois, et qui toujours aidé ma main ces jours, mais c'est ça qu'il dit, tout ce qui est facile est fragile. Tout ce qui est facile est fragile. Tout ce qu'on cherche à faire dans la facilité est fragile. Tout ce qui est facile est fragile. Bon, pour que la Vierge Marie accompagne nous, que l'idée de comprendre qu'il y ait les nombreuses affaires du Seigneur. C'est-à-dire que là, il va souligner ça. Les nombreuses affaires du Seigneur. Dieu n'appelle jamais une fois. Fait deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Les nombreuses affaires du Seigneur. Donc c'est à nous de saisir à l'occasion de ce congrès un appel du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui dans cet événement? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation? Saisir, voilà, je termine par là. Il faut saisir les nombreux appels du Seigneur. Il faut saisir les opportunités du Seigneur. Pas quitter comme ça, j'en ai fini. Que la Vierge Marie inspire l'homme pour dire non, voilà, le bon choix à faire. La bonne décision à prendre, mais toujours dans l'humilité et la disponibilité. Voilà. Alors, on est disponible, mais tu as une sorte de forme, question, mais témoignage tout. À part de ça que nous sommes là, de confrérie avec moi, à toujours côté d'autres éléments pour nous. Mais l'essentiel, c'est pas entrer dans des fois des questions de polémique qui peuvent se faire avec mon scope chichien. Mais comment ce texte, Luc avait poigné, verset 26 ans à 28 ans, comment je me sens interpellé par ce texte? Quelle leçon que vous avez tiré pour la vie moi à partir de texte? Ok, donc si il y a une jeune qui est passé devant, elle est présentée. Oui, il y a un niveau disponible. Donc, il y a une question à avancer. La dinole, le prénole, et puis qui tu sais des sorties. Son Excellence le Seigneur, révérend Père, cher jeune. Son Excellence, Monseigneur, révérend Père, chers jeunes, bonjour. Alors, moi, c'est remercier Monseigneur à l'Empire pour façon que vous retirez la boue dans les genoux sur l'humilité marie sous façon de nous comprendre, sans des dialogues qui développent la carrière pour nous.
même qui c'est humain. Question que tu as me poser, parce qu'ils sont tout petits, mais nous centrer sur deux personnalités, Marie et Zacharie. Marie qui vient chez les mamans, et puis Zacharie qui c'est un vieillard qui vient du papa. Ils ont tous les deux, ils font la même déclaration. Comment ça se fait pour vivre par aux gens pour une personne de la Vierge Marie? Comment ça se fait pour vivre ni moi-même, ni madame, ni tous les deux à passer à l'âge de Zacharie? Mes questions, pour qu'ils savent tous les deux faire la même déclaration, Zacharie lui-même lui paye en conséquence, alors que la Vierge Marie, il va payer. Excusez-moi, le Seigneur. Moi, c'est pour vous saisir. Vous saisir notre Dieu, c'est ce qu'on a eu par un sacrifice. Alors, tout en tant que la palais, on va être connu de bienvenue. Et c'est comme Takati, sans question piège. Question piège dans le sens que, il dit ça qu'il dit avec exactitude. Que Zacharie lui-même lui pose une question, résultat, et baba. Marie pose une question, et baba, et va continuer de travailler avec lui. Réponse. Vous pensez que il parle bon pour le chacun. Dieu peut faire du particulier. Parlez comme dit bien. Dieu peut faire du particulier. Il est capable. Et c'est là que nous avons dit non. Et des fois, on va parler aussi à cause des gens à 14 ans. Et on parle aussi de l'humanité de Dieu. Et bien, c'est ça que la protection jeune dit hein, normalement, Marie est le bas. Mais, t'as des biens, contexte en toujours. T'as bien dit que tu dois regarder le contexte et le prétexte. C'est que Zacharie fait partie de l'Ancien Testament. Marie est dans l'Ancien Testament. Mais à partir du moment que le messager fait intervention ça, c'est que bon Dieu lui-même descend et il y a une nouvelle étape. Une nouvelle étape. C'est le retour, on va changer pas ça dans la Bible. Non. Côté monsieur qui a côté H d'alliance, non. On dit que nous changeons ça. Il y a côté H d'alliance, non. Mais de l'autre côté, H n'a pas tombé. Et puis il y a deux, trois messieurs qui ont laissé les moyens. Tu fais pas. Parce que pas de droit, pas de sacré, il va être droit. Et pour nous, on va recevoir le signe dans la main. Et c'est bon. Donc c'est ça la différence, non? C'est que Zacharie, c'est toujours l'Ancien Testament. Donc il fait que l'aide pose des questions, il vit là-bas, de façon que c'est bon Dieu qui va parler pour nous. Hein? Bon Dieu qui va parler, parce qu'on va avoir sa pétale. Les timons en fait, les gens satisfaits, tout le monde pensait que par exemple Zacharie, pour perpétuer la race, il faut dire non. Premier petit papa, côté non papa, et puis pour nous, c'est son adroise que la pécrie, Jean est son nom. Parce que Zacharie, c'était toujours dans l'Ancien Testament. Et avec Marie, c'est un nouveau testament, un nouveau départ pour contre lui-même. Fait davantage preuve de miséricorde, fait preuve de caractère de complaisance. Même les gens sortis en interrogation, que ce soit Zacharie et Marie, il y a autant de valeur, mais les résultats sont différents, puisque c'est déjà maintenant un nouveau monde, un nouveau destin. D'accord? Donc c'est ça que Zacharie dit. Maintenant, Dieu agit davantage avec faiblesse,
que de ses vérités. Voilà la réponse. Dieu agit avec davantage de le Nouveau Testament, de miséricorde, de faiblesse, que de ses vérités. Merci, mon Seigneur. Et puis, bon Dieu, il y a un plan libre pour l'histoire salue. Donc, c'est comme ça, un plan de planifier pour les capables de réaliser. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Et bonjour tout le monde. Mon père, c'est Georges Alexandre. Nous sommes ici dans le deuxième riche. Question par là, il y a basé sur la question et sur le plan. Puisque tu as parlé de tout ça qui est facile, fragile. Je le jeudi à nous, je vais vous motiver. Bon, je laisse qui va prêt pour demander la question sur le plan. Et pour aller plus loin, qui est capable de faire un peu de sur le plan. Même si tu as expliqué ce qui est différent pour nous. Comment un jeune capable de répondre au Dieu avec son Dieu? Et qui pourrait être plus facile pour jeune homme d'entrer dans la question sur le Dieu? Oui, alors, question sur le Dieu, non, vous êtes inspiré de 1 Samuel, côté de l'idée d'endormir dans les bords du après-midi. Donc, il dit si toutefois, vous avez froid, et bien, dit par conservateur qui écoute. Par conséquent, et c'est une manière que j'ai découvert dans le Synode des Peuples à Rome, l'importance de l'écoute. C'est ça, solitude, non? C'est-à-dire, il y a une différence entre solitude et isolement. Famille, c'est ça que vous faites depuis un instant. C'est ça que vous faites depuis un instant entre l'isolement. On a pu mettre quoi à côté par la personne, il va entrer dans un groupe, il va entrer dans une activité d'église, et isoler. Parce que solitude, non, c'est un temps d'intimité. Attendez bien. La solitude, c'est un temps d'intimité avec Dieu et avec soi-même. Pour être au service des autres. Je reprends pour vous. La solitude, c'est un temps d'intimité avec Dieu, avec soi-même, pour être au service des autres. Et c'est lorsque ça, les clients sont tant que ma côté mon Dieu. Qui ça mon Dieu a dit moi? Qui ça mon Dieu a demandé moi dans la situation ça, dans l'événement ça? Et puis, mon Dieu, qui service que vous avez dans votre famille? La différence entre solitude et isolement. La solitude, c'est vivre une intimité avec Dieu, se mettre davantage à l'écoute de Dieu. Voilà la question que je vous donne pour alimenter la solitude. Qu'est-ce que Dieu veut me dire de cet événement? Qu'est-ce que, parmi chaque situation, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cet événement. Donc là, besoin de solitude, besoin d'entrer dans l'église, besoin d'être dans mon mémoire, aller voir pour une source d'eau, besoin d'aller dans la montagne, au côté loin, et le monde m'a réfléchi. Qui ça mon Dieu dans ce cas? Qui ça mon Dieu là? La décision, c'est ça que vous voulez voir. Voilà, c'est ça. Alimenter la solitude par des questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Que dois-je faire, Seigneur? Voilà ta question. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et puis, que dois-je faire, Seigneur? Alors, Père, après ça, c'est au fait qu'à parler, parce que là. Donc, l'impression, l'entendez, vos solitudes là, ça fait comprendre que doit être en pile là, non? Qui puisse ouais, dans le contexte, vivre pour autre. Non. Et si bien on a été fait là, dans le contexte, projet ça, que mon Dieu prépare pour maman Maria, qui c'est maman sauveur, maman église, maman non, après une telle question, l'ange n'a pas démarré, Marie, comme petite fille d'Israël, qui connaît Marie, qui a l'écoute, parole, la croix, c'est confiant d'idée.
Godou, qui est-ce qui Maria, pour sentir que Marie, projet ça qui est en côté, par l'humanité, il vit tourner vieille, tout bon et tout maman. Il vit inaugurer, ça pour elle, une nation nouvelle, une humanité nouvelle. Et c'est ça qu'on voit. Alors, même pour nous-mêmes, tout, et faire là-bas pour exemple, les papas qui choisissent pour venir évêque, il est toujours prêt, mais venir évêque pour le côté chaïsa avec petit bâton fer, petit bâton bois, ça sont symboles pour conduire même pour Dieu dans la folie de Dieu. C'est bon, pas facile. Ça m'a fait en pile réflexion, mais bien de la réfléchir. Il va pas réfléchir avec vous. Il faut que ça soit Dieu, parce que dans l'affaire de Dieu, il y a des gens qui sont passer des nuits sans sommeil. Ou même pour jeune fille, jeune garçon, on sait les évoluer, l'homme a marié, tout pour aménager. Ménage pour les mêmes vrais, parce que la montée sous terre est là. Au bon nom, pour les mêmes vrais, son jeune janvier, non, non, c'est pas joli, pour les mêmes. Maman d'accord, papa d'accord, Zami d'accord, on pose des questions, eh bien, il y a des lettres, il y a un bagage qui arrive sous financement. Sous financement. Mais on ne peut pas dire que nous sommes en français. Il y a autant de réflexions pour connaître est-ce que vous parlez de la génome pour éliminer les petits là, et c'est ça qui fait dans Haïti souvent, ou bien est-ce que vous pouvez accepter sa privée en toute solitude dans la prière, dans la réflexion, dans le conseil, dans la méditation, pour que l'enfant d'Avignon m'accepte. Restaurer lui devant. Si vous voulez servir mon Dieu, ça fait de bon matin, une jeune fille qui est enceinte, qui fait petit, mais après quelques années, l'église accepte de faire enlever pour lui. Communion, ça nous restaure. Mais attention, l'église va prendre la prière. Il y a une jeune fille, jeune garçon, il n'y a pas qu'à enlever communion comme ça. Parce qu'au prochain, soulever le mal, tomber encore, c'est ce que mon Seigneur a rendu nous. Il y a des efforts, réfléchis avant d'agir. Hein? La rhétorique, c'est l'art de penser, tout comme la philosophie, c'est l'art de bien agir, de bien réfléchir pour bien produire des bonnes choses. C'est la sens à apporter. Alors, nous avons une différence là. Laissez son père qui a parlé, mais laissez son évêque. Je vais vous regarder, je ne veux pas dire. Merci. Pas de voir mon père. Donc, on va dire à vous. Contextement, et qui ça nous-mêmes nous besoin faire, et lorsque vous mettez la question solitude, non, vous n'êtes pas isolement, regardez-vous, non, vous besoin de parce que vos décisions importantes d'avenir. La première question, c'est ça. Monseigneur, tu es bien entendu, mon fils. Cette question, c'est mon fils. Gabriel, l'école de la Vierge Marie, qui s'appelle Céline.
que car est tombé de nous. Réjouis-toi, fille de Sion. Et que ça me dit encore, c'est que dans le même moment, la Vierge Marie pensait à texte Sophonie chapitre 3 et Zacharie chapitre 9. Et me dit dans tout, les prophètes s'affirment de parler pendant presque un siècle. Pas qu'un prophète n'a pas quel message. Et qu'on prend vide, même question sur l'étude. Et c'est là ça, qu'on coupe dans le paysage, garçon comme fille, de constituer, ça a créé une expression, on ne peut pas dire une expression française, non, il est les Anawim, et puis A-N-A-W-I-M, les Anawim. Qui est comme signification les pauvres de Yahvé. Là, du coup, à côté de la Vierge Marie, il y a quand pile monde qui t'a tant changement, quand pile monde qui t'a tant Messie, et Marie faisait partie des Anawim. Si dans ton propos, c'est l'île pour te choisir, ça peut pas dire tout à l'heure. Et dans une bonne question, frère, à cause de Zacharie qui vit papa, parce que poser des questions, Marie, papa, et lui-même qui te pose des questions, c'est même Jean-Claude, c'est pas Marie seulement qui t'en attend. Mais tu gagné l'autre pédale qui t'en attend. Mais question est plus loin toujours. C'est que tu des vierges qui étaient complètement à côté, mais texte dit non. C'est la complexité là. C'est que Marie était fiancée avec Joseph. Est-ce non? Elle dit que Marie déjà fait un choix. Et ce choix-là, c'est seulement qu'il n'a pas fait petit, que son papa était petit. Mais c'est que Marie est en l'autre dimension qui fait que c'est un choix illoyant pour Dieu va demander renoncer à lui. Pendant qu'elle a toujours été avec Joseph. Vous savez que, Marie plus loin, elle a pris le chapitre 1er, verset 26 à 38. Non, prenons l'étude également, Matthieu chapitre 1er, qui parlait de l'annonce à Joseph. Matthieu chapitre 1er, on va le verset exactement. Donc c'est vrai. Verset 18 à 24, 25. Donc, Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. De même qu'il y a une annonciation à Marie, et bien également tout, il y a une annonciation à Joseph. Parce que finalement, puisque Marie n'est pas de la race de David, et bien les deux étaient. Même le papa est entré en relation sexuelle avec Joseph, mais fort Joseph était là pour donner le titre royal à Jésus, puisque Marie n'est pas de la race de David. Joseph étant de la race de David, le signe au-dessus qui fait avec le serviteur a dit Joseph, pas peur, malgré sa patience, accepter Marie pour épouse. Donc c'est dans ce sens, c'est ça texte entre nous. Donc il dit que à côté de Marie, qui est un pilote médaille, qui était en attente, et il fait partie du groupe des Anawim, c'est-à-dire les groupes de Yahvé, des gens qui ne veulent plus compter sur la société, bien sûr, et les prophéties, mais qui faisaient toute confiance aux gens. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement Marie, mais il y a eu, là encore, ce parti pris de Dieu. Choisissant Marie, c'est avec Dieu est béni entre toutes les femmes. Il y a d'autres femmes aussi, mais Marie a été la préférée, la choisie de Dieu. Ok, c'est une autre question pour laquelle un c'est la première. On se dit que c'est clair, on va satisfaire. Hein? Vous êtes satisfait?
prennent la main de Dieu. Nous sommes très satisfaits. Très bien. Ça veut dire que malgré lui-même, il était dans une condition. Réponse par la grâce que Jésus lui-même est fait dans n'importe qui fille. Nous sommes avec l'autre monde qui était vierge, qui était gagné, fille que Dieu venait traiter bien, mais de tempérament, ça veut dire que c'est une condition intégrale. C'est pas que, pas qu'on manque là, pas qu'on manque là. Ça veut dire que tout qui est là, nous tous nous très bien, appuyons dans nos mêmes têtes de vie, mais qu'il y a un autre qui est plus bon que l'autre dans toutes conditions. D'accord? Ça veut dire que Marie-Même, nous avons un tempérament, nous étions vierges, dans une condition totale. Donc, on s'est déchoisi. Donc, on s'est fait battre dans la matinée à nous. Nous devons nous appeler le Kabak Félicien pour que nous tous nous étions collés dans mon Dieu pour nous capables de vivre. On s'est fait des liens comme ça. Il y a une foi, sauf lorsque nous attendons que tous les esprits nous. Mais nous-mêmes, nous étions que de la foi nous faire. Et Marie-Célie, avec l'exemple de nous, sans modèle pour nous, dans ce sens que de la foi nous solide et pour que n'importe qui bruit, qui paraît drôle, pas de l'évangile de nous, pour nous aider, tenter l'église nous, vivre la foi nous, et capable de persévérer. Donc, c'était une autre très belle question, on sait que c'était une très belle réponse, et ça a montré tout ce qui est là, tant que Marie n'a même vu nous très bien nous, pour que mon Dieu les a choisi nous. Pour avoir hérité place des avec nous. D'accord? Donc, merci. Merci, Père Jean. Et une seule question, en priorité. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, parce qu'il y a tout le monde, surtout dans le Dieu saint. Question maintenant, c'est la rapport de Jésus dans Foula. Et puis, dans Foula, elle m'a conduit, et puis, peut-être que c'est comme ça. Jésus, mes frères, ils répondent, mon petit maman, mon petit frère, c'est mon qui veut me monter. Et mon d'abord, je vous remercie que Marie de me sauver, pour qu'est-ce que son message de besoin pour passer. Merci. En fait, je pense que c'est une fausse interprétation dans les réponses que Jésus, ben là, il dit, voilà. Et c'est ça qui est important. Ni frère, ni soeur, ni ceci, ni cela. Question, c'est la volonté de Dieu. Comme il y a dans Matthieu déjà, il va pas comprendre. Lève mon diable a dit que ma ville frappée, et lui dit non, pas pour néant. Oui, Seigneur, Seigneur. Il dit non, est-ce qu'on te fait volonté? C'est pas question. Et parenté, c'est la différence. Non? C'est pas question de parenté, c'est la question de volonté. Est-ce que, même pour nous-mêmes là, parce que nous avons pour dire oui, ça veut déjà sûr, parce que nous n'avons pas, ça veut déjà sûr. Est-ce que, on parle, on fait volonté pour Dieu. Il est maintenant de faire volonté pour Dieu, maintenant, je rentre dans la famille de Dieu. La famille, c'est la différence. Hein? Ce n'est pas que le rejeter maman pour dire qu'il y a des fonds fausses, non. C'est que l'Église dit que l'important pour nous, ce n'est pas la parenté, mais c'est la volonté. Est-ce que j'accepte de dire oui au Seigneur dans une situation bien difficile, dans un événement bien difficile, dans une épreuve, est-ce que vous l'avez dit au Dieu oui, tout comme Jésus l'a fait. Gethsemane, dans le jardin, et dit Père, éloigne de moi ce calice, et puis la côté, pourvu que ce soit ta volonté. Donc voilà, Seigneur, quand tu es bébé, amen. Vous êtes béni? Oui. Donc, tout court, alors que, en dans volonté à tout, il ne faut pas oublier le fiat du mari. Ça se dit à Jean. Le fiat, c'est du fait que Marie dit oui. C'est une créature, hein, tout comme nous, des créatures humaines,
Marie, créature humaine, tout, mais c'est celle qui a dit oui. Merci Marie d'avoir dit oui. Oui par la montée molle, mais en pile des fois, oui par moment, par montée molle. Alors fais volonté, mon Dieu, et nous allons chanter. Ça, mon Dieu, mon Dieu, fait, c'est pour faire à cœur content. Et Marie fait. Juste pour rajouter, ce que ça fait à mon assez soutien. En général, le mec qui s'appelle, nous dit oui. Elle ne veut pas dire ni oui ni non. Nous dit oui. C'est là le problème. Donc il faut apprendre à dire oui au Seigneur dans toutes circonstances. Oui. Écoutez-vous. Oui, c'est le petit là, nous sommes depuis Algérie. Nous sommes dans le diocèse cap-haïtien. Nous faisons partie de la paroisse Saint-Pierre-de-l'Évêque. Question que nous avons à poser. Comment Marie fait vierge ni enfantée et puis nous toujours à dire Marie qui fait nous toujours vierge. Voilà. Alors comme ça c'est un parole simple et un élevé, donc c'est bien très jeune. Et c'est mon élevé qui a dégagé avec moi pour votre bonne première. C'est pour les fois même. C'est mon lacaille. Oui. Et bien, je vais pour ici. Alors, la réponse est toujours dans le chapitre 1er, verset 35. C'est ça la réponse. Ce qu'on appelle la virginité perpétuelle de Marie. Sacrifiée dans l'Orient, c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint agit, on ne peut pas le contrôler. C'est comme pour la création. Comment l'esprit en plané sur le dos et bien donner des formes. C'est-à-dire que c'est ça que vous voulez dire, non? Texte clé que nous voulons, on va dire comprendre, puisque nous sommes devant un mystère. Quand nous voulons pénétrer ce mystère, il faut se référer au verset 35, chapitre 1er de Saint-Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi. Sacrifié dans l'Orient, c'est le travail de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui enfantait Jésus. Ce n'est pas Saint-Joseph qui enfantait lui. C'est l'Esprit Saint. Mais moi, dis non, il était obligé qu'aimer Saint-Joseph à cause du titre royal, du titre davidique, comme Marie, pas de la race de David. Mais qui n'entre pas là. C'est l'Esprit Saint. On ne va pas expliquer. Nous sommes devant un mystère qui demande une réponse de foi. C'est ça. Comment faire là maintenant? Tu vas expliquer? Ok, expliquer. Est-ce que comment faire là maintenant? Moi-même, depuis que je suis là, il ne faut pas que je vienne à Rome, passer à Paris, théoriste qui doit tirer, et la vie d'appeler moi. Mais même pendant que je parle avec moi, ce n'est pas moi qui parle. Et mon prochain interaction de moi, on va avoir ce côté de mon Dieu, sauver mon père, comme on dit mon bal. Hier, avant de finir, m'a lancé dans le négocier et il dit c'est du verre que tu es du monde. Mais quand il y a un temps, quand on parle avec la défaut de son nez, c'est la terre, on me dit qui choy, est-ce que c'est moi qui fais mal? Moi-même bien ça. C'est vraiment. Donc c'est ça qui est sérieux. De ces questions maintenant, mon situation comme ça, qui sont pour garder calme. Et tout le temps on parle avec moi là, tu vois, on ne pas les prix. C'est des spécialistes qui n'ont pas agi, qui fait que vous me dites tout ça. Parce que c'est vraiment quand nous finissons par arriver, il faut liberté, pour prendre la vie de la première. Et ce matin, j'ai rentré à soi-même. C'est de telle accusation pour qu'on les a. Moi, avant hier, on se prie de ma vie. Je panique et me dis, oh, à partir de mon Dieu. Bon, je vais te liker sur Facebook pour pas faire papier avant des photos. Parce que bon, j'ai déjà mon ma vie. Donc tout ça, c'est dans la foi. Dans la foi pour vivre. Dans la foi. Je m'en fais parler avec mon enfant, malgré les sénateurs, parce que je suis venu bien posé. Très bien. Alors, pas tout pas les troubles, non, mais l'essentiel, c'est que Noël, dévotion mariale, non, c'est ça que Marie a fini avec lui, dévotion mariale, non, de guider, non, et de sérénité. Quel que soit l'événement difficile que la vie, faites votre confiance en, et de guider l'esprit serein en agir. D'accord? Merci. Merci. Thank you.
Donc ça va suffire à nous camper pour nous chanter un bon chant pour dire mon Seigneur, merci pour votre compréhension. Mais avant de prendre le temps, il y a un grand chant pour tout le monde. Bon, peut-être en tant que curé par instant, on me dit. Mais pas tout le temps. Monsieur Internet, merci un peu, c'était Vantaglio qui venait là pour faire la semaine très très content. Et l'autre jour, là pour Monsieur Internet est sorti, je n'ai pas bien donné de Simon Lembe, moi-même comme ça c'est Lembe, ce n'est que des moyens. Ok? De Simon, c'est mon Lembe moyen. Mais moi, dans le sud, depuis 1980, qui était nord, moi dans le sud. Ok? Et moi dans Nîmes, depuis 1991, moi dans Nîmes. Donc là, écolière, moi ici là, depuis 2010, 18 juillet 2010, moi ici là. Mais on va passer. 4 ans, je crois, 4 ans, l'exemple est fissuré. C'est de mon chapel, la réunion de la ville d'accueil moi. Parce que l'église, et puis, nous dégageons. Ok? Et avec là, en toute communauté, on est capable de restaurer l'église là. Et nous sommes tous capables d'abonner nous. Page Facebook Parasma. Page Facebook Co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste Minagouane. T'as pour ça va faire la connaître là, le monde entier assuré. Elle a fait avec une dérive, pas de boîte téléphone, pas de boîte sonnette. Aux amis qui en France, qui assurent nous, qui dit moi que nous déplacer trop, nous d'autres trop, et de suite à la direction, tout le monde assure nous là, assurer, le monde entier assure nous là. Nous n'avons rien. Et que nous-mêmes, tous, pendant que nous là, nous allons suivre tout ça qui a été fait après que nous l'accueillons, nous allons revivre, qui va être toute notre santé manquée. Nous avons besoin de ce page Facebook. D'accord? Et après ça, nous sommes capables, chaque dimanche, nous remettons 6h30, mais sur un direct, là, sur tout. Tout ça qui passe là, nous avons créé, nous sommes capables à la révision, tout à fait net, je ne sais pas, tout à fait, nous sommes en direct, page Facebook, par WhatsApp, nous sommes capables d'inscrire à les abonnés à Pédamine, et nous avons gagné deux jeunes semaines, les élèves de la Dimine, bien fréros, avec Steve, c'est au 4, après la voyage dans la période de et moi-même, on a fait ça, on a inscrit ce page-là dans la famille. Donc, merci à vous, nous sommes très très contents, nous sommes très très satisfaits. Donc, je dis à nous venir de Minagouane, et je suis là, mon anneau là, moi bien content, capable de rencontrer nous. Donc, n'importe nous de retourner encore à Minagouane, ça va retourner dans la paix, accueillir nous. Et nous disons que c'est un merci à vous, Alors, merci. Merci.
Saint-Jérus, l'ange du Seigneur apporte la main sa main. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Père de ses pécheurs, et la vérité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et pour nous, cette mère de Dieu, afin que nous devions dire que l'Esprit-Christ. Prions que ta grâce, Seigneur, notre Dieu, soit bonne dans nos cœurs. Nous avons fait connaître par le message de l'ange, l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Fais que nous soyons rendus par les dérives de sa passion et de sa croix, jusqu'à la croix de la résurrection, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors ma prière pour nous, ma prière pour moi. Madame Sabier, en pensant que bon Dieu va avoir de lumière et une solution à un problème savant. Bon courage, bien débarré. Avant de parler, nous voyons que nous bien jeunes, vraiment engagés par cela. Nous bien jeunes qui est à côté là. Nous bien plus qui va faire le bonheur de l'homme. Janico. J'ai gardé son pour nous, de toutes jeunes saillons, j'étais avec Enel, Vladimir, Steve, avec Frérot, pendant que vous avez pris toutes jeunes qui est venu, c'est un peu. Merci à qui est le fait. Merci. Je vais aller chez vous, mettez là en ce moment. L'autre truc à ma part, déplacer. Merci, oui. C'est juste pour le revoir. Nous songeons à faire ce réunion pour animer, c'est votre petite pétrocienne. Vous êtes capable de maillot, de maillot, vous espérez nous venir déjà. Pas vrai? On va passer là-bas. Hein? Viola? Il est fort. Ok, ma voix est conscient. Il va aller chercher nous, la partie de maillot, la femme seule à aller la manger. Si comme on dit passe dans la catégorie, on va dépasser, on va faire ça. La prière de Dieu. Pourquoi tu as dit mon agonie?